Bonjour, on est à Chicago et aujourd'hui on va sur le toit d'un immeuble pour avoir une très belle vue de Chicago. Donc ce sera une petite vidéo découverte de Chicago vue du ciel, sans drone bien sûr, parce que c'est pas, je sais pas s'il peut faire du drone comme ça dans une ville aussi grande, c'est quand même dangereux si le drone tombe sur des gens et tu vois. Sur un bâtiment aussi. Ouais, tu vois, sur un bâtiment c'est pas si grave je pense, sur des gens c'est quand même plus grave. Lucky, le matériel après l'humain. Rappelle-toi. C'est vrai ? Merde. Ouais. La preuve, regarde-moi avec mon vélo. C'était soit toi je me faisais mal, soit mon vélo faisait mal. Mon vélo c'était mal, pas moi. Allez, c'est parti. Alors ça Lucky, on est d'accord, c'est pas la mer hein. Ça c'est un lac. Si c'est la mer ça. C'est la mer ? Moi je dis que c'est un lac. Il est putain de grand. Ouais. Il est tellement grand que quand t'es à Toronto, Alexis de chez Romantique m'a expliqué ça. Ouais. Alexis notre ami, c'est ton ami Alexis ? Ouais ça va. Ok. Il m'a expliqué que quand t'es de Toronto, tu vois la pointe des buildings en fait, de Chicago. Ah. Et en fait parce que comme la terre elle est ronde, au loin, tu peux pas voir directement la ville, mais tu vois le petit bout des immeubles. Et donc normalement, si on regarde bien en face, on peut voir Toronto. Bien sûr, on le verra pas. Hein, mais... Non, ça marche pas. Par contre, c'est assez ouf ça. Donc en gros, en fait, vous êtes dans le vide, entouré par un cube de verre. Vous êtes dans le vide en gros. Et du coup, t'as peur ? Non, ça va. D'accord. J'ai hâte. T'as hâte ? Ouais. Bah, y a un peu de cœur. En fait, une fois que t'es là, c'est un peu nul. Ah non, en fait, c'est un peu flippant. Enfin, pas flippant, tu vois, mais t'as quand même l'impression que tu marches dans le vide. Quoi. Jésus, quoi. Bah, Jésus, t'es sur l'eau. Ouais, c'est plus sur l'eau, Jésus. C'est excellent. C'est non. Genre, je me suis appuyé contre la ville comme ça. Oui, donc. Alors, non, bon, ça marche pas du tout, mec. Ça marche pas du tout, mec. Je vais me draguer par la fenêtre, tu peux dire coucou la dame et tout. Hé, hey, salut. Hé, hey, ça va, madame? Tu veux venir dans mon bob? Regarde, elle met sa main, regarde, on peut faire. Oh, oh c'est l'âme sœur. Le mec qui drague n'importe où, tu sais. Dès qu'il a un peu de chance, ouais, si je vais tenter un truc. Même s'il y a une vitre qui nous sépare, putain, mec. Moi, ce que je trouve vraiment ouf aux États-Unis, regarde, c'est la grandeur des villes, la longueur des trucs. Il y a des grosses. Comment dire? Des grosses tours et après ça s'étend super loin. Et si tu veux filmer à côté, il y a la petite maison dans la prairie qui s'est installée pour un tournage dans le ciel. Bon, on est parti pour une petite séance photo et on s'en va. Il y a encore d'autres trucs à voir bien sûr, vous inquiétez pas, c'est pas le seul truc. Mais c'est assez impressionnant de se dire qu'on est dans le vide quoi. Ça me rappelle une vidéo, tiens. Est-ce que tu vas sortir la fameuse phrase « Ah, c'est bon !» Ah, c'est bon. J'adore ce truc de casse-tête parce qu'à chaque fois, les gens, bah, ils en chient, quoi. Alors, ce qu'on vous a pas montré dans cette tour et depuis le début du trip, c'est que les Américains, en fait, ils adorent tout ce qui est marque dérivée dans un restaurant, quoi que ce soit. Et là, avant de sortir de la tour, il y avait une boutique de souvenirs dans la tour. Sur ton dessin, il y en a une autre, et avant de sortir, il y en a encore une autre, et on n'a pas encore fini. Ça, ça n'a rien à voir en fait avec la tour, c'est vraiment un truc de Chicago quoi. Ouais, mais je veux dire, quand tu sors de la tour, tu passes dans trois boutiques quoi. C'est vraiment, ils vous forcent à consommer. Et bon, après, on n'est pas con, on est obligé, mais je trouve ça assez chelou comme concept pour un Français, parce qu'en France, t'as pas trop ça. T'as ça, mais pas autant que ça. Voilà, c'était la petite anecdote. Aux États-Unis, on aime bien vous faire payer. Et Lucky n'arrive toujours pas à débloquer son truc. Non, allez, je vais te le faire. Ah oh, bâtard. T'as filmé? Ouais j'ai filmé. Ok. En fait c'est juste qu'une fois que t'as compris qu'en gros il faut juste que t'arrives à poser ça comme ça. Après t'as juste à faire ça. Ouais putain à chaque fois je sais pas le refaire. Je sais plus trop comment je fais. Bah vous avez vu hein, je l'ai pas le refaire. Allez salut.